pour enfin répondre à la foire aux questions. Donc je réponds avec une journée d'avance parce que bon, je me suis dit pourquoi pas, bref. Enfin bref, je me suis dit je vais décider de faire ça aujourd'hui. Puis pour le montage, pour moi c'était plus simple. Alors la première fois, donc c'est la première fois aux questions, je n'ai pas trié les questions parce qu'elles sont pas si nombreuses que ça. Enfin, vous n'êtes pas si nombreux à y avoir répondu, mais vous êtes par contre nombreux à m'envoyer un paquet de questions par personne. Donc il y a des personnes qui ont une dizaine de questions et d'autres qui en ont juste deux ou trois, donc c'est très marrant. Donc voilà, et je vais citer à chaque fois les pseudos des personnes en essayant de ne pas faire de faute de prononciation, ça serait sympa. Alors, je vais commencer par Fiblesse. Fiblesse, donc c'est la chaîne Fiblesse. Qui me demande comment es-tu devenue aussi positive avec le handicap, quelle est ta marque de maquillage favorite et quel est ton auteur favori. Alors, comment je suis devenue si positive, aussi positive avec le handicap, j'ai envie de vous dire, c'est avec la force des choses. Je pense que ça a toujours été comme ça, en tout cas on m'a toujours dit que je gardais le sourire quoi qu'il arrivait, que j'étais toujours quelqu'un qui avait la joie de vivre et tout. Et ça a toujours été en moi, enfin une seconde nature quelque part. Moi je dis pas non plus que j'ai le smile tout le temps, hein. Il y a des fois aussi où j'ai des coups de blouse, hein, des coups de gueule, des coups de blouse comme tout le monde, hein. Je suis pas non plus un super woman, donc voilà. Mais c'est devenu naturellement, en fait, je me suis pas tellement posé la question, c'est pas non plus un gros travail, enfin, je me force pas à être positif, quoi. C'est comme ça, voilà. Et quelle est ta marque de maquillage préférée? En ce moment, c'est beaucoup d'Yves Rocher. Ouais, en ce moment, c'est beaucoup d'Yves Rocher. Et quel est ton auteur favori? Là, je pense que c'est une question qui va revenir souvent. J'ai regardé un petit peu les questions hier et je pense que c'est une question qui est revenue souvent. Mon auteur favori, c'est Guillaume Musso. Je sais, ça fait un peu cliché, ça fait un peu... l'auteur commercial et compagnie, on a beau dire ce qu'on veut, moi j'adore. J'ai lu tous ses livres, même son dernier livre, voilà. D'ailleurs j'avais fait une chronique sur ma première chaîne et tout, que je peux récupérer, donc si ça vous intéresse d'avoir cette chronique lecture, n'hésitez pas à me le dire, je vous la posterai. Alors, Jess0882 me demande, alors il y a un paquet de questions. Quel est ton genre de musique? Quel genre de musique écoutes-tu? Alors en ce moment, c'est beaucoup ce qui passe à la radio. J'écoute principalement énergie. Mais j'ai des périodes rock, périodes un peu plus variété. Ma période soul aussi, soul music. Je sais que Midi Sunday, tout ça, j'aime énormément. J'ai même ma soeur qui m'avait offert une compilation de tout ce qui était... artiste soul, Aretha Franklin et compagnie. Et j'ai des paroles comme ça, mais là en ce moment c'est beaucoup ce qui passe à la radio. Combien as-tu de tatouages et où? Alors oui, Jess savait que j'avais des tatouages. Alors, en sachant que ça forme comme un espèce de tableau, si je puis dire, parce que ça s'entrait au même endroit quasiment, j'en ai 5, je crois. Ouais, je crois que j'en ai 5. Et surtout situé sur le haut du dos, les omoplates et les épaules. As-tu des percées? Si oui, et ouf. Si oui, ouf. J'ai pas de percées. J'avais à un moment donné 3... J'avais quoi, 17, 18 ans? J'avais 3 percées à 3 bouts d'oreille à chaque lobe et j'avais un percée au nez. J'ai eu des bricoles avec et depuis je les ai plus gardées. Quel est ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir? Très bonne question. Ouais, si c'est un souvenir en ma vie perso, mon plus beau souvenir, c'était la rencontre avec mon chéri. Voilà, tout simplement, enfin, en tout cas le jour où il m'a dit je t'aime. Enfin, voilà.
Sinon, vous concernant, bah, le jour où j'ai créé ma première chaîne et où j'ai eu mes premiers abonnés. Voilà. Quel est ton signe astrologique? Alors, je suis née, donc je vous l'ai dit dans ma vidéo, le 30, 30 choses et donc faits sur moi. Je suis Balance, 18 octobre 89, donc c'est dans un mois et demi. Quelle est ta nourriture préférée? Étant donné que je suis une grande gourmande, ça va être difficile de choisir. Mais j'aime énormément la nourriture chinoise. Énormément. Et j'ai découvert il y a 2 ans la nourriture japonaise. Et j'adore aussi. Malheureusement, au niveau nourriture japonaise, on n'est pas très bien loti dans la région centre. C'est un peu loin pour manger japonais. Mais la nourriture chinoise, voilà, c'est juste mortel. Dans quel domaine travailles-tu? Alors, je suis étudiante. En septembre, je suis censée, bien censée, mais ça je vous en parlerai plus tard, être en deuxième année de BTS, assistant de gestion PME-PMI. Ouais, assistant de gestion quoi. Bref, en deuxième année. As-tu des animaux? Alors oui, oui. J'ai un animal, j'ai un chat qui a 3 ans, qui s'appelle Fanta. D'ailleurs, dans ma première chaîne, on le voit souvent passer derrière moi sur le canapé. Parce que je faisais mes vidéos donc sur le canapé quand j'étais en fauteuil et tout. Et il passe souvent derrière moi. Enfin, il se tape un peu s'il joue les guests. Si oui, combien donc j'ai répondu. As-tu des frères et sœurs? Alors, j'ai un petit frère. Enfin, petit, tout est relatif, hein, je vais vous dire. Et une grande sœur. C'est un frère qui a 20 ans. Donc moi, je vais avoir 24, hein, si vous savez compter. Quelles sont tes passions? En tout premier, la lecture. En second, les tatouages. Sinon, j'aime bien tout ce qui est j'aime écrire, j'aime bien le théâtre, j'aime bien le cinéma, tout ce qui est les loisirs, voilà. Mais sinon, j'ai fait 5 ans de danse en fauteuil, en région parisienne, et ça a été un des plus grands moments, enfin, c'était génial. Et j'aimerais bien recommencer. As-tu déjà voyagé? Oui, j'ai voyagé 2, 3 fois, enfin en tout cas 2 fois dans le même pays, si mes souvenirs sont exacts, au Mexique et une fois en Écosse. Quelle région viens-tu? Alors je l'ai dit tout à l'heure, de la région centre, à 1h30 d'Orléans, je vous dirai pas la ville, haha. Brian Storm Mix 505, j'espère que je vais pas prononcer, en tout cas c'est une fille, mais Brian Storm Mix 505 me demande, as-tu un travail? Donc j'ai dit tout à l'heure, non, je suis étudiante, celui d'un domaine, d'où vient-tu ta passion pour les tatouages? D'où ce que vient? Très bonne question. Bon, en fait, j'ai un peu copié sur ma soeur au début, enfin j'ai voulu copier sur ma soeur en fait, et au final, bah, j'ai mûri mes projets, enfin mon premier tatouage, je l'ai mûri pendant plusieurs années. Et au final, bah, c'était pas du tout pour la copier. Après, hein, c'est parce que vraiment je voulais inscrire sur ma peau ce tatouage qui était très important pour moi, qui avait une vraie signification. Et bah, c'est un peu comme les piercings et compagnie, une fois qu'on en a un, on a envie d'en avoir plus. C'est un peu ça. Alors, quel est ton budget lecture par mois? Bah, ça dépend des fois. Là, j'étais en mobile et le mois dernier, et là, ce mois-ci, j'ai dépensé à la fin du mois plus de 60 euros de bouquins. Ouais, parce que je dois en recevoir encore pas mal, là, enfin, 2-3 en tout cas, qui sont pas d'occasion. Chez France Loisirs, donc oui, ça s'élève à peu près à 60 euros, mais sinon, ça peut aller de 20, 30, ça dépend franchement, mes coups de cœur, franchement, ça dépend, ouais. Alors, Magali Méran, Magali, je t'ai fait des gros bisous parce que je te connais en dehors de la sphère YouTube, enfin du groupe YouTube, de la communauté, qui me demande comment et pourquoi t'es venue l'idée de faire des vidéos. Bah, c'est à force d'en regarder en fait. C'est à force d'en regarder et j'ai vu une jeune YouTubeuse handicapée qui s'appelle Elsa Makeup, qui en faisait, et je trouvais qu'elle avait franchement du cran d'en faire, que c'est vraiment... Enfin, puis après, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi?
Mais le problème, c'est qu'effectivement, j'ai eu du mal à me démarquer, étant donné que moi, je fais pas de make-up. Donc, ouais. Et pourquoi? Bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, justement. Voilà. Petit poisson rouge, j'aime bien le pseudo, qui me demande pourquoi avoir commencé ces vidéos. Bah, je viens de répondre, pourquoi pas moi, quoi, tout simplement. Mon auteur préféré, donc, il me dit, oui, je suis désolée, j'ai pas trié les questions. Ta destination de rêve pour les vacances? L'Espagne. J'ai jamais été en Espagne, j'aimerais bien y aller un jour. C'est très sympa. Alors, connais-tu Cheryl Woods? Alors, je me suis renseignée sur Wikipédia qui c'était. Et donc, non, je ne la connais pas, j'ai pas lu ses livres. À un moment, parce que, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup de la collection Harlequin. J'ai eu ma période Harlequin, et maintenant ça m'est passé, et non, je connais pas. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir croisé un de ses livres. Ta youtubeuse préférée? Actuellement, je n'en ai pas. Mais je ferai un Charles de l'or, on ne sait jamais. Vampire 936 me demande la question que je vais te poser. Aimes-tu les tatous? Bah oui, j'en ai 5. Faudra vraiment être maso pour pas les aimer. Si j'en ai 5, c'est déjà bien. Julius Beauty Look, alors c'est plus son pseudo parce qu'elle a changé de chaîne, mais bon, ouais, elle se reconnaîtra. As-tu des animaux? Donc oui, j'en ai un. Ta date de naissance, 18-10-89. Frère et sœur, donc oui. Une grande soeur, un petit frère. À quelle chaîne es-tu abonné? Beaucoup. Pourquoi tu commences YouTube? Bah, pourquoi pas. Et ma phobie. Oui, donc pourquoi pas moi. Et ma phobie, alors j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais ouais, principalement les araignées. Ouais. Petit ou gros sang. Principalement les araignées. Alors, je regarde si c'est tout. Non, il en reste deux. Ouais, il en reste deux. Alors, David Garou me demande, aimerais-tu faire un sport? Si oui, lequel? Ah oui, donc il sait que je le connais personnellement, donc il sait que je suis en fauteuil. Mais sûrement qu'il a voulu dire handisport. Malheureusement, la région centre est pas suffisamment, je trouve, par rapport à certaines régions, desservie en ce qui concerne le handisport. Les associations sportives, etc. Et ou alors c'est loin. Et étant donné que je n'ai pas le permis, ben voilà. Puis même, je ne suis pas sportive du tout. Je vous dis, la danse, c'était ma seule activité physique. Je ne suis pas du tout sportive. Je n'aime pas le sport. Je suis désolée, hein, mais franchement, je déteste ça. Quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Enfin, c'était pas la question, mais c'est pas mieux même. En ce moment, c'est Stromae. En ce moment, c'est Stromae. Bah, j'ai téléchargé son dernier album, mais chut, faut pas le dire. Ouais, Stromae, en ce moment, c'est ça. Voilà. Bah voilà, bah, t'as fait un sacré paquet de questions. C'est génial. Je vous remercie énormément. J'espère avoir répondu de manière assez claire. Si vous avez d'autres questions ou si j'ai pas assez répondu ou plus de précisions, n'hésitez pas à me poster un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous mets tout en barre d'infos, blog, Facebook, page Facebook, Twitter, mon pseudo Instagram aussi, si vous voulez. Donc voilà, la prochaine info question, à mon avis, je la ferai dans un petit moment. Parce que là, justement, je voulais vous poser, vous par contre, vous poser la question. Parce que j'ai trois vlogs tatouages sur le feu, si j'ai envie de dire, qui attendent là d'être tournés. De moi qui est de mon ancienne chaîne, que j'ai pu récupérer grâce à mon chéri. Donc dites-moi si ces trois vidéos, donc je sais que ça n'a rien à voir avec la lecture, c'est pour ça que je vous pose la question. Dites-moi si ces trois vidéos vous intéressent. Je commencerai d'abord donc sur les tatouages, surtout mon expérience. Qui a été douleur, ce qui a été prise, ce qui a été soin, etc. Après, donc la vidéo qui est de ma première chaîne, qui est une journée dans ma peau, où on montre une séance tatouage, une séance tatouage, et la troisième est aussi, je crois, déjà enregistrée, où je vous montre en tout les 5 tatouages que j'ai. Voilà, je vais souffler, c'est pas normal. J'ai beaucoup parlé, sûrement pour ça, j'ai parlé rapidement. Donc bah écoutez, je vous laisse pour ce soir. Puis je vais aller me coucher. Non, je rigole.
Je vous fais des gros bisous, je vous adore et puis merci d'être toujours aussi présent, toujours aussi nombreux. Et puis bah à bientôt. Bye bye.